J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et comme le titre est à la miniature, aujourd'hui je vous emmène dans une commune typique du sud qui s'appelle Bouzigues. Alors Bouzigues se trouve au bord de l'étang de Thau. Qui dit Bouzigues dit aussi parc à huîtres. Alors en tout cas je vais vous emmener, je vais vous faire visiter ce village très sympathique et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. D'ailleurs je viens de Frontignan plage jusqu'à Bouzigues en vélo, ça m'a fait beaucoup de chemin, mais je vous rassure que en y allant en vélo, vous avez une super piste cyclable, vous allez voir, c'est vraiment top. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, alors j'ai noté mes petites informations parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Alors les personnes qui s'occupent des coquillages, tout ça, ce sont les conchyliculteurs. J'espère qu'on m'avait bien compris. Et ceux qui s'occupent des huîtres miticulteurs, ce sont les auriculteurs. Horticulteur, j'espère que je ne suis pas trop trompé. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a appris. Hein. Voilà. Alors, je suis déjà venu à Bouzigues, mais il y a très longtemps de ça. J'avais déjà visité aussi un entrepôt où là on cultive les huîtres. Mais ça fait très longtemps. Voilà. Alors, aujourd'hui, voilà, je vais me balader dans cette commune. J'espère aussi je pourrai avoir une interview avec de quelqu'un qui connaît bien Bouzigues. Comme ça, je pourrai avoir leur avis. Enfin, ça dépendra des gens. Voilà, j'espère qu'ils vont accepter mon interview. Je sais que vous aimez bien les interviews, mais je vous promets rien. Je ne vais pas donc tarder, je vais donc direction Bouzigues. Allez, c'est parti. Ah oui, j'allais oublier de vous dire que j'avais fait une vidéo sur le bateau jaune qui allait à l'étang de Thau. D'ailleurs, si un jour vous passez à 7, n'oubliez pas, si vous voulez vous rapprocher du parc à huîtres, d'aller prendre le bateau jaune. Et puis il va s'approcher en fait là où se cultivent les huîtres et vous allez voir la vision sous-marine et vous verrez les huîtres un peu plus près. Regardez, je vous mets la photo juste à côté. Voilà, voilà, c'est la photo là où vous voyez les huîtres qui descendent jusqu'en bas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Puis je vais continuer la visite. Là, je suis juste à l'entrée. Il y a marqué l'auberge. Je vais voir ça d'un peu plus près. Voilà. Et puis là, j'ai garé mon vélo. Voilà. En tout cas, je vais quand même faire une petite pause parce que j'ai pas encore mangé. Et je sais pas si vous entendez. En tout cas, il y a des bruits d'animaux. Et juste devant moi, il y a un cheval.
En tout cas, je voulais dire que l'église de Bouzigues, elle est très jolie. Et voilà, en tout cas, pour l'instant, Bouzigues, c'est très calme. Voilà. Alors, je tourne cette vidéo un week-end. Voilà, c'est super calme, c'est vraiment agréable. Les rues sont colorées, ça, c'est. J'adore. C'est pour ça que je suis très concentré, c'est pour ça que je parle pas beaucoup. Je vais essayer de trouver des gens pour des interviews, si possible. Allez, que la visite continue. Aujourd'hui, il fait un super temps et c'est vraiment un très bon moment de venir à Bouzigues en tout cas. Et j'ai remarqué que Bouzigues, ça ressemble un peu à Vic-la-Gardiole, mais un peu plus différent. En tout cas, c'est très calme. En tout cas, c'est la tranquillité ici. Allez, il n'y a personne dans les rues. Alors, ce qu'il faut savoir, les tout premiers habitants qui sont venus à Bouzigues, les tout premiers habitants, c'était des pêcheurs, tout simplement. Voilà, une petite information qu'il faudrait retenir. Bonjour, qu'est-ce que vous aimez particulièrement à Bouzigues? Qu'est-ce que j'aime à Bouzigues? Les tantôt, c'est sympa, et puis les huîtres, voilà. D'accord, ben je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Ça y est, c'est donc la fin de ce reportage. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai passé une très belle journée à Bouzigues. En tout cas, si un jour vous avez l'occasion de passer à Bouzigues, ben n'hésitez pas, voilà. En tout cas, je me suis beaucoup régalé. Il fait un super temps. Je dirais qu'il fait au moins une vingtaine de degrés. Il n'y a pas beaucoup de vent, ça va. En tout cas, c'est vraiment très agréable. J'essaierai au montage de vous mettre la photo de mon itinéraire, voilà, parce que j'ai fait pas mal de chemin en vélo et là, je dois refaire le retour, voilà. Alors, je commence à être un peu fatigué, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai quand même passé un très bon moment. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, je vous invite également à rajouter le pouce bleu, à commenter, à partager. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour la faire évoluer ou si vous voulez me soutenir, tout simplement. Et comme vous aurez pu voir aussi dans ce reportage, j'ai réussi à avoir une petite interview. En tout cas, je voulais remercier la personne qui a accepté mon interview. Parce que j'ai dit à d'autres personnes qui étaient dans Bouzigues, mais ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas d'ici. Bon, c'est pas si grave. Bon, moi, j'ai eu une petite interview, je suis très content quand même. Voilà. Encore une vidéo réussite, pour moi en tout cas. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Juste un truc, prenez soin bien de vous. Et puis, tant qu'à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!